Mouvance Ravalmanen présente à Addis Abeba. La mouvance Ravalmanen revendique l'application de toutes les dispositions contenues dans la feuille de route, dont celle relative à la libération des prisonniers politiques et à la réouverture des stations audiovisuelles qui ont fermé leurs portes pour des raisons politiques, et celle concernant le rapatriement des exilés politiques, en l'occurrence Marc Ravalmanen. Par conséquent, la mouvance a envoyé une délégation à Addis Abeba pour entreprendre un plaidoyer durant le sommet de l'Union africaine. Guirivu Angenachou, porte-parole de la mouvance, a tenu à expliquer que son camp n'aspire pas à renverser le pouvoir. Néanmoins, il attend du président de la République qu'il tienne parole. La mouvance Ravalmanen, qui n'a pas encore décidé dans quel camp elle va se positionner, dans le camp de l'opposition ou dans le camp du pouvoir en place. D'après les précisions apportées par Guirivu Angenachou, la mouvance se prononcera sur ce point après la proclamation des résultats des élections législatives.